Revelio. Nous parlions justement de toi. Revelio. Revelio. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter, Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, Monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Vous ne le regretterez pas.
C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. C'est comme si cette pièce avait été faite pour vous. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préolard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux Trois Balais ? Ça me semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici alors. Je vends bien d'autres objets utiles au combat, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique, quand vous le voudrez. S'il n'y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Sirona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Revelio. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préolard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant? Que me caches-tu? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne m'es d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood? Ranrock est de mèche avec Rockwood? Le gobelin de la Gazette du Sorcier? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux Trois Balais.
C'est un plaisir de vous voir, Lord Gok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, abattre un troll sans aucune aide? Ah, vraiment? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après Préolard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls brutes auxquels on a affaire actuellement... Quand on parle du loup... C'est Lord Gok que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calmons un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui? Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood? Qu'est-ce que tu me caches? Je te promets de tout te raconter, mais je préfère garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château.